Allez, salut tout le monde, c'est Kero, j'espère que vous allez bien les amis, et je vous retrouve pour le 9e épisode de mon Let's Play sur le jeu A Plague Tale Innocence, que je vous fais bien sûr sur Xbox One. Et donc, ben, dorénavant, voilà, vous l'avez vu, hein, un épisode tous les jours. Donc, eh ben, écoutez, j'espère que ça vous fait plaisir, en espérant que ce Let's Play ben, dure encore, encore et encore, parce que franchement, je le dis à chaque fois, c'est un kiff monumental ce jeu. Je prends énormément de plaisir, c'est un mélange d'un petit peu tout ce que j'aime, voilà, de la filtration, de l'action, enfin bref, tout ce que j'aime. Il y a un petit peu d'horreur, si je dirais ça, entre guillemets, mais voilà, il y a pas mal de trucs gore aussi. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est pas donné à tout le monde, hein, ce Let's Play, donc les enfants, bah, ne voyez pas ce Let's Play, hein, tout simplement, je compte sur vous. Et donc, la dernière fois, les amis, on s'était échappé de la prison, on avait retrouvé Hugo grâce à l'aide de Melly, qui est juste devant, voilà, qui nous a pas mal aidé. Mais attention, comme j'ai dit, parce que bah, elle apparemment elle nous aide parce que bah, c'est Arthur, non pas Arthur, pardon, Lucas. Arthur, c'est le frère de Milly, mais voilà, c'est Lucas, donc le garçon qui nous a aidé là, le serviteur du docteur Laurentius, qui nous avait aidé, qui leur a dit que voilà, si nous libéraient, ils auraient une belle somme d'argent, parce que nous on était riches et tout. Mais après, voilà, maintenant on a pratiquement plus rien, on est un petit peu seul au monde. Donc elle a un petit peu mal pris Melly, mais après à voir, après peut-être qu'on va se lier d'amitié avec eux, peut-être que ça va mal se passer. Bon, pour l'instant ça se passe bien, mais attention, j'ai quand même des doutes, hein, sur Melly, et surtout sur son frère Arthur, qu'on voit pas trop pour l'instant. Il est un petit peu caché, on sait pas trop où est-ce qu'il est. Donc ouais, attention quand même. Attention, attention. Bref, les amis, on est reparti. Donc bah écoutez, préparez-vous, de quoi boire, de quoi manger. Enfin, si vous avez, si ça vous dégoûte pas trop ce Let's Play, parce que bah, y a pas mal de trucs gore, hein, quand même. Alors. Bon. Ok. Alicia, tu as la fronde. T'inquiète. Hugo, tu surveilles la zone et pas un bruit, d'accord? Entendu. Alors. Et oui, aussi la dernière fois, on avait eu un nouveau pouvoir, si on doit dire ça, c'est Dévorantis, qui permet à un ennemi d'enlever son casque, voilà, parce qu'il est, il est en train de fondre, ou je sais pas trop quoi, mais voilà, ça le dévore, voilà, ça dévore l'acier, du coup il est obligé d'enlever son casque, ce qui fait qu'on peut le toucher à la tête. Donc on va se refaire, histoire de, voilà, hop, alors, voilà, j'ai l'impression qu'on est tranquille, hein, il n'y a plus trop de rats. Pour le moment, on est un petit peu plus tranquille. Donc lui, on va essayer de se le faire une fois qu'il sera retourné. Vas-y. On se le tente. Est-ce qu'il a un casque? Ah, je crois qu'il a un casque. C'est pour ça qu'on peut pas le... Ah, je crois qu'il a un casque. Attendez, on va essayer de se rapprocher le plus possible. Je vais voir s'il a un casque ou pas. Est-ce qu'il a un casque? Je crois qu'il a un casque. Hein. Je crois qu'il a un casque. J'arrive pas à voir. Si, il a un casque. Je pensais qu'il avait pas de casque, mais si, il en a un. Ok, donc du coup, il va falloir utiliser le Dévorantis. Vas-y. On va utiliser le Dévorantis, vas-y, go. Attendez. Ta gueule. Ok, pardon. Pardon pour les grossièretés. Ok. Toi, c'est fait. Toi, c'est fait, mon copain. Hop, il y en a. Prends ça. Ok, il y a des mecs là-bas, attention. Quoi? Genre, tu nous as vus, là? Tu te fous de ma gueule? Toi, on va utiliser le truc pour endormir. Parce que oui, on a un truc pour endormir aussi. Vas-y, vas-y. Notre objectif, c'est d'aller là-bas. Alors, le truc pour endormir, c'est ça. On va se le refaire. Hop, voilà, vas-y. Attends-moi là. Je reviens. Entendu. Te fais pas repérer. T'inquiète. Parfait. Allez, venez. On avait un truc ici pour distraire si on voulait. Bon. J'ai fait ça en mode attaque. Vas-y, venez là. Venez là, venez là, venez là. Parfait. Alors. Alors. Vas-y, prends ça. J'avais vu une explosion pareille. J'en ai encore les oreilles qui sifflent. On a pris le coupable. Un jeune voleur qui aidait les Doren. Il est au bastion pour interrogatoire. Ah. Il a de la chance. Lucas Arthur. S'il n'avait pas des informations. Soit l'un soit l'autre. Je suis sûr qu'on l'aurait taillé en pièces. Merde.
Merde. Ah, c'est peut-être Arthur. Ellie, je suis... Non. Putain. Ouais, je pense que c'est Arthur. Je pense que c'est Arthur. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est prendre le pot. Vas-y, hop. Et lance-le, genre... genre là-bas. J'ai entendu un truc. Je reviens. Regarde à toi. Go. Quoi ? Genre, il m'a vu. Toujours rien. Tu peux te barrer ? On n'avait pas dû gérer les dégâts chez les Anglais. On les aurait déjà. Ah, mais du coup, lui. Ah, rien. Du coup, lui. N'a pas d'autre peau. Oh là là, on n'a pas d'autre peau. Ah, ça va être plus complexe. On n'a pas un truc. Sur quoi viser là? Non. On va passer par un autre chemin, je pense. Hein. Je pense que ça sera mieux. On va passer par un autre chemin. Parce que là, ça me paraît compliqué. Non, non, tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu, c'est faux. C'est faux. Bon, on va essayer un autre chemin, les amis, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, toujours rien? Non, c'est juste des gamins. Je te parie qu'ils se terrent dans un four et quelque part. Ça fait beaucoup d'hommes pour juste des gamins. Et le grand inquisiteur n'a pas l'air de ménager beaucoup le seigneur Nicolas. Nicolas a okay. Du pire. On l'appelle pas le moine écarlate pour rien. Alors si on passe comme ça, ça passe ou pas? J'ai peur. Attendez, on va tester. Vous, c'était un fouet. Je dois voir ça. Surveille tes arrières. On est dans la merde. Allez, courez. Hey, ah putain. Ah mais je pensais pas qu'ils allaient passer par là quoi. Oh. Oh la vache. On est où? Ok, on est là. Alors on va essayer de la faire différemment. Parce que je me dis, si on... Ah mais non, on pourra pas passer. On pourra pas passer parce qu'il y a des trucs et tout là-bas. Du coup, il faut essayer de le faire d'un petit peu plus loin, en espérant que... Attendez, si on se cache là, par exemple. J'ai entendu quelque chose par là. Oh mais non. Mais non! Putain, ils sont des coudes. Vas-y, go! Go! Lui, il est occupé! Vas-y, ça passe! Fausse alerte alors! Ouais, c'est ça, fausse alerte, ouais. T'as raison, mon gars, fausse alerte, vas-y. Vas-y, on avance. Vas-y. Prends ça, vite. Allez. Ça passe, les amis, ça passe. Parfait. Presque. La R s'est fermée. Il y a toujours une porte plus discrète. Ok, je te suis. Commence fort cet épisode. Ne restons pas là. Allez. Je vous en prie. Trop aimable, votre Altesse. Alors. Allez, avance. Ah, attention. Vous allez me faire. Ah non, c'est Lucas. C'est Lucas. Le chariot de ravitaillement arrive bientôt. C'est Lucas, c'est Arthur. Ils t'amèneront en ville au bastion de l'Inquisition. Allez, on les suit. Le dévorantis. Il t'en reste? Ah oui. Alors vas-y. Fais sauter son casque. Pas de soucis. Tiens, bouffe. On est là. Je suis tellement content de vous revoir. Yes. Oh, tu as l'air en forme. Oui, j'étais dans une cage et puis on a fait une énorme explosion. Ça fait boum. Et on est allé chez Millie. Elle dit tout le temps plein de gros mots. Hey, et toi, Lucas? Ça va? Eh, ça vous dit de faire ça en courant?
Ou ouais, alors j'avoue. On reste là, on sort le vin, les poulardes et on attend de se faire tuer. Vous en pensez quoi? C'est vrai. Allons-y. Le château doit être proche. En route. Venez. Eh oui, on doit toujours aller au château. Hein. On doit toujours aller au château, c'est vrai. Ça n'a pas été facile. Pour rejoindre l'aqueduc. Tu crois? Oh non. T'avais juste oublié de nous parler de la. Il nous rejoint l'autre. Vous n'auriez pas accepté le marché. Et t'avais pas dit qu'ils étaient riches aussi? On va s'arranger. Va dire. Attendez, il y a peut-être des choses ici. Attendez. On fouille un minimum quand même. Hein, y a rien. Ok. On continue. Voilà, pourquoi c'est cramé là? Il y a eu la foudre ou. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Un accident? C'est un chariot de l'Inquisition. Ah. Les rats. Il doit y avoir des choses à prendre. Ah, le retour des rats, ça faisait longtemps. Oh, pas comment on va pouvoir passer. Ça faisait longtemps. Oh, Amicia, j'ai quelque chose pour toi. Ah, un nouveau pouvoir. C'est un dérivé de l'unifer. Oh. Luminosa. Luminosa. On se croirait dans Harry Potter. Enfin, Luminosa. Tu verras ça par toi-même. Tiens, prends. Vas-y, donne. Salpêtre, alcool et cuir. Mélange-les. Merci. Alors, Luminosa crée une puissante source de lumière qui détruit les rats. Oh, intéressant ça. Ouh, pour le coup. Lance-le sur les rats. Pour le coup, ça c'est intéressant. Vas-y. Oh yes. Luminosa. Ça pique les yeux. S'il reste du Luminosa dans votre inventaire, alors que les rats vous submergent, vous pourrez l'utiliser en. Ah, en dernier ressort, bien. Bien ça. Du coup, s'il y a les rats qui nous attaquent, on pourra utiliser du Luminosa. Bien ça. Le chariot est plein de matériel alchimique. Oui, ouais, ça c'est cool. On a un atelier aussi. Vas-y. On peut toujours rien améliorer. Ok. Mais... On peut toujours rien cas, améliorer. Ces chariots nous seront utiles. Non. Ok, bah on est bon. Ok, donc Luminosa, ça c'est pas mal. Ça je pense qu'on va devoir l'utiliser pas mal de fois ça. Donc, on arrive. Yes. On arrive. Vas-y. Oui. Du coup, on se retrouve à 4. Peut-être bientôt à 5 avec Arthur. Je sais pas trop où est-ce qu'il est, lui. On va monter sur l'aqueduc. Hugo, on dit aqueduc. Ah, aqueduc. Aqueduc. Yes. C'est vrai qu'il découvre un petit peu le monde, hein. Il sait pas trop ce que c'était un aqueduc, ce que c'était... Enfin, plein de choses, hein, dehors. J'ai pas trop écouté, du coup, ce qu'il disait. Mais je pense qu'il va falloir l'aider à monter, à mon avis. Ah non, ok. Ok, vas-y. Parfait. T'as l'œil. Eh oui. T'inquiète, vas-y, monte. D'accord. Go. Alors. Quoi? C'est tout? Hein? Y a rien ici, Lucas. Ne me dis pas qu'on a fait tout ça pour rien. Non. Laurentius était plus malin que ça. C'est un tour d'alchimiste. Hein? L'or naît du plomb. La porte ne se révèle qu'à celui qui a trouvé la clé. Quelque chose comme ça. Moi, je préfère... Utilise tes yeux au lieu de parler. J'avoue. Qui passe en premier? Moi. Bien vu. Amicia? Allez, c'est plus le moment de reculer. Bien parlé. Le chemin qui nous attend, ok. Entrée dans l'aqueduc. Eh ben, let's go. Allons entrer dans l'aqueduc. Allons-y. Oh, par contre, il fait bien sombre, là. À mon avis, ça pullera ici, hein, je vous le dis. Wow, joli. Oh, la grotte, elle est magnifique. Oh, c'est magnifique. Wow, les jeux de lumière et tout. Magnifique. Est-ce que c'est la mer? Vous imaginez que dans les... Juste une poche d'eau souterraine. Sur la Next Gen, ça sera encore plus beau que ça. Wow. Les gens utilisaient ce lieu. On est sur la bonne voie. Waouh. Traverser le lac. Ok. Oh, c'est magnifique. C'est tellement beau. J'ai entendu parler de cet endroit. Et le château? Il est où? Ça, ah bah, le château, pour le savoir, il va déjà falloir traverser. Ouais. Mon avis, ouais. Alors ici déjà, va falloir utiliser ça, voilà, c'est ça. Vas-y. Allez, traversons. Traversons. Ok.
Go. Ok, il va y avoir encore des petites... des petites énigmes. Bon, après, on est 4. On est 4. Alors, attendez, déjà, il y avait quelque chose peut-être ici. On va aller voir. C'est quelque chose là, ouais. Il y a des choses ici. Il y a des choses. Ok. Attendez, on peut pas se craft. Si on va se craft du Devoratis, on en a plus. Voilà, on va se craft ça aussi. On va se craft ça. Ah, on en a pas assez. On a pas assez. Ok. Est-ce que du coup, ça je peux le récup ou pas? Oui. Et maintenant, est-ce que je peux... Non, toujours pas. Toujours pas. Ok. Allons-y. Bon, après, on a 4 personnes, on a plusieurs bras là, donc ça devrait aller les énigmes. On va voir ça. À toi, Mélie. Vas-y, Mélie. Et du coup, c'est Lucas. À moi. Ah non, viens faire ta part au lieu de roublier. Oui. Par contre, Hugo, reste pas trop du à côté là. J'ai peur. Il y a un monstre qui va sortir. Tu sais, il y a longtemps, père m'avait emmené au lac de Thon. J'avais glissé dans l'eau et elle était tellement froide que j'en avais pleuré. Ah, ça ramène la barque, bien. C'est pas grave de pleurer pour ça. La barque n'attend pas. Oui, vas-y, monte. J'espère qu'ils savent nager. Allez, go. Du coup, vous pouvez relâcher, hein, c'est bon. Accrochez-vous. C'est parti. Au revoir. Salut. Je vois pas de poisson. Oh, ça, c'est à cause du monstre. Hein? Un monstre? Bien sûr. Les lacs souterrains sont magiques. Des monstres très vieux et très gros vivent dans le fond de l'eau. Oh, pauvre, tu vas le faire peur. Il va faire des cauchemars après. C'est pas vrai. S'il y avait un monstre, on verrait des grosses bulles. Pas faux. Tu as raison. Maman, elle disait que les monstres... C'est des choses... Des choses qui... Des choses auxquelles on n'a jamais donné de nom. Elle m'avait dit ça aussi. Moi... Je trouve beau la relation qu'ils sont en train de faire les deux. Enfin, d'un frère et d'une sœur hein, maintenant. Parce que voilà, ils sont frères et sœurs. Ce qu'ils n'avaient pas avant, parce qu'il a été coupé du monde 5 ans, elle voyait pas son Allez, frère, donc ils n'avaient pas cette relation frère-sœur. Là, ils commencent à bien la voir et tout. À bien se rapprocher. Je trouve ça beau, quoi. Cette relation qu'ils ont. Alors, attends. Avant de les appeler les autres, enfin de leur ramener la barque, on va fouiller un petit peu ici. Donc là on verra plus tard. Vas-y, on va leur renvoyer la barque les pauvres. On va leur renvoyer la barque. Vas-y. Vas-y. Mais il y a peut-être une baleine. C'est gros une baleine, tu sais. Oui, mais une petite baleine. Pourquoi pas? Une baleine timide qui ne veut pas se montrer. Elle est timide parce qu'elle est petite. Mais je suis sûre qu'elle est jolie. Ok, allez-y. À votre tour! On arrive! Allez-y. C'est bon, vous êtes tous les deux dedans ou pas? Est-ce qu'ils sont tous les deux dedans? Je pense. C'est vas-y. Bon. Vous pouvez lâcher. Ok. Ça va? Oui, ça va. Ok, ils arrivent. Alors, en attendant, est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à fouiller? Si, regardez. Plein de choses. Ah, il est en train de lui expliquer. Il est en train de lui expliquer. Tout ce qui me plaira au château, c'est à moi. Entendu. Voilà. Comme ça au moins, elle paye sa dette. Ok. Alors. Ah, bah. C'est fermé. Mélie. Pour longtemps. Voilà, c'est pour toi, Mélie. C'est pour toi, Mélie. À chaque fois qu'il y a un crochet et une serrure à déverrouiller, c'est pour elle. Vas-y, déverrouille-nous ça. Voilà. C'est ouvert. Oh. Oh, il va falloir éclairer. Ça sent les rats, ça. Et voilà, ça recommence. Ils m'avaient pas manqué, eux. Pareil. Mais, qu'est-ce que c'est que cette... Oh, la vache, il y en a plein, là. Non, oh, bien joué. Cette fosse. Quoi, Lucas? Qu'est-ce qu'il a? Oh. Ce brasier suspendu glisse le long de la tranchée. Lucas, celui-là, dans l'autre sens. C'est un système de défense. Comme un château? Comme un piège à rats. Tu protèges quelque chose. Oula. D'accord. Là, ça va être chaud. Comment ça marche? C'est simple. Les brasiers repoussent les rats dans la fosse et ils y restent. Alors profitons-en. Qui a construit ça? Je ne sais pas, mais ça n'a pas l'air récent du tout. Viens, Lucas. On regarde. Bien, Mélie. Pendant que les âmes rêvent, il faut qu'on avance. Qui a construit ça? C'était... Peut-être des Vas-y, chevaliers. On prend tout ça. Que des chevaliers là, je suppose que voilà, c'est fermé, c'était trop beau. Non, oui.
Et ils étaient nombreux de l'autre côté. Ah bah là forcément tu peux pas. Là forcément tu peux pas. Mais les rats ils sont pas là de alors. Très juste. Alors. Ça. Ok, donc ça permet de. Ouais, mais du coup il faudrait que quelqu'un avance. Attendez, si on les fait reculer comme ça, est-ce qu'il y en a qui vont popper derrière ou pas? Est-ce qu'il y en a qui pop? Si on n'a pas qui pop, c'est bon. Ah, c'est peut-être bon, les amis. C'est allez, peut-être bon. Je dois passer de l'autre côté. Bon, allez, venez. T'es sûr là de passer? Ouais, c'est bon. Vas-y, passe. Si on lâche, c'est bon ou pas? Ouais, ça a l'air d'être bon. Go. Bon, pour l'instant, ça va. Je pensais que ça allait être plus compliqué. Mais pour l'instant, ça va. Oh la vache. Regardez leur nombre. C'est ouf. Vas-y, monte. Viens, je vais te faire monter. Ouais. Allez, vas-y. Ah, j'avais pas vu, elle est pieds nus, elle. Elle est pieds nus. Est-ce que nous aussi, on est pieds nus? Non, nous, on a des petites bottines et tout. Elle est pieds nus depuis tout à l'heure, elle. J'avais pas vu. Vas-y, on va récupérer tout ça, voilà. Alors, prochaine étape. Prochaine étape. Ça, est-ce qu'on peut le bouger? Vas-y. Parfait. Bien. Alors, attends. Ouais, vas-y. Fais ça. Moi, je fouille ici. Voilà. Donc là, on va pas pouvoir passer pour le moment. Ok, donc eux, ils sont libérés. Ils peuvent passer. Est-ce qu'ici, on a des choses? On a des choses. Ok, on a ça. Et pour ça, voilà, il va falloir éclairer. Bon, pour ça, pas de soucis. Hein. On a l'inifère, vas-y. On l'a mis l'inifère. Voilà. Et ensuite, vas-y. Pousse-le. Bon, ça va, c'est pas compliqué. Je pensais que ça allait être un truc compliqué et tout, mais pour l'instant, non, ça va. Ça va, il y en a pas qui pop, hein, toujours, là-bas, non, c'est bon. Ok. On est bon. C'est efficace, leur système. Parfait. Ouais. Allons-y. Allez, vas-y, viens, Hugo, on y va, donc ça on est d'accord que je pouvais pas le prendre, hein, ça. Ah, on peut pas. Vas-y. Je passe devant. Oui. Oui. Vas-y. Ah, vache. Et là, vous savez, vous mettez ça, là. Mais on va pas l'utiliser, parce que ça serait gâcher du truc, mais... Vous lancez ça, ils sont tous morts d'un coup. Bref. Allez. On avance. Hop. On a rien ici. Non. Go. Encore une porte. Alors, est-ce qu'on arrive bientôt au château ou pas? Je demande juste qu'il n'y ait pas de rat derrière. Ouais. Ça serait bien, oui. Ça serait bien, effectivement. Ellie, j'ai besoin d'un coup de main. J'arrive. Allez, vas-y, Mélie. Pourquoi c'est au fil de se charger du boulot là. Pourrait le faire, Lucas, aussi. Oh. Oh, le château. Le château, le château. Wow. Enfin. Il existe vraiment. Enfin le château. Le château d'ombrage. Il est super. Oh la musique. Oh, puis regardez l'ambiance et tout. Oh la vache. Ça c'est une légende d'alchimiste comme je les aime. Waouh. Allons le voir de près. Ouais, allons-y. Ça fait un petit peu flipper mais allons-y quand même. Waouh, avec les éclairs et tout les amis. Oh là 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 là. L'ambiance. Ah. Je vois pas comment. Oh, t'as vu ça? L'éclair. Ils ont peur des éclairs. Ah. Vous rigolez? Vas-y, crochette. Tu peux t'en charger? D'accord. Vas-y, crochette. Il est où notre ami Lucas là? Il est où Lucas? C'est bon. Yes, bien joué. Est-ce qu'on aurait pas un établi par exemple ça, ici? Ça serait bien. Remède miracle? Oh, ça sent pas très bon. Un bon remède, c'est un remède. Alors, plus d'informations. Vinaigre et des quatre voleurs. Bon, je lis dans ma tête, je vous laisse lire de l'autre côté. Je lis vite fait dans ma tête. Ok. Alors, est-ce que ça va nous servir pour des... C'est vrai, oui. Pour des potions, des machins, je sais pas. Ok. Allez, il n'y avait pas de table de craft. Bon, tant pis. Alors, effectivement, ils ont peur des éclairs, du coup, ils reculent. Alors attendez, on va attendre le prochain éclair, je pense que c'est le mieux. Avant d'avancer. Ok, ils reviennent. Allez, l'éclair.
Allez. Quand tu veux l'éclair. Vas-y, go. Go, 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 go. Ok, on est passé. Alors attendez, est-ce qu'il passe? Vas-y, venez. Jamais. On est passé. Incroyable. Des gens vivaient ici. On est trop loin. Encore un effort, Hugo. On va attendre le prochain. J'ai pas envie de. Voilà. Alors il y a un truc là-bas pour éclairer. Ça veut dire qu'il va falloir l'éclairer au bon moment, je pense. Maintenant. Allez, l'éclair. Go. C'est le moment. Allez, allez. Go, go, go. Prends ça. Allez, on va y arriver. Non, non. Ah oui, utilise ça. Go. Je vais t'aider. Oui. Allez, passez, vite. Tout va bien. On a réussi. Lucas, voilà. Yeah. Ouh, c'était chaud. Regardez-le. Heureusement qu'on avait le truc, hein, parce que sinon on était mort. On était mort tout simplement. Oh, il est encore plus gros d'ici. Entrons vite. On a rien ici. Venez. Waouh. Ça c'est du château, les amis. Bon, il est un petit peu défoncé, mais ça c'est du château, ça. Waouh. La vache. On y va. Entrons dans le château. Vas-y. Waouh. Incroyable. La tour là-bas. Ce sont les choses d'habitation. Là par contre, il y a quelque chose. Ah non. Ça a l'air d'être au sec. Mais il y a Ah oui, vas-y vas-y Mélie. Plein de rats. C'est encore un piège. Il doit y avoir un autre moyen de passer. Yes. Sûrement. C'est bon, tu m'as ouvert. Bien joué. Ah bah ça doit être la suite, certainement. Je peux passer s'il te plaît, j'aimerais sortir, voilà. Écoutez les amis, je pense qu'on va se laisser là, ça fera un épisode un petit peu plus court peut-être, je sais pas. Mais on va se laisser là devant cet immense château là, impressionnant. Et du coup bah on ira l'explorer la prochaine fois. Et bah écoutez, comme à chaque fois, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas. Un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça m'aide beaucoup, voilà, à me motiver à vous faire plein d'épisodes comme à chaque fois. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis passez une bonne journée, une bonne soirée, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, vos amis, bref, voilà, en ces temps assez difficiles encore une fois. Et du coup, on se dit à demain pour la suite de ce let's play sur A Plague Tale Innocence. Allez, salut!